Depuis maintenant deux décennies, la gamme d'enrubanneuses de ballon de McHale 991B se démarque en termes de performance et de fiabilité auprès des agriculteurs et des entreprises du monde entier. Fruit d'importants développements et d'innovations continues, la gamme d'enrubanneuses McHale 991, déjà largement réputée, s'élargit aujourd'hui avec la machine 991 High Speed, capable d'offrir un rendement amélioré d'environ 50% comparé aux machines ne possédant qu'un seul extenseur. L'enrubanneuse 991 High Speed est équipée de deux extenseurs de film avec capteur de déchirure, un dispositif d'attache et coupe-film, un patin anti-cabrage. Le tout est commandé à l'aide d'un boîtier de commande expert, particulièrement simple d'utilisation, puisqu'il suffit à l'opérateur d'appuyer sur un simple bouton pour réaliser les opérations d'enrubannage. Nous avons donc voulu tester ce nouveau modèle aux côtés de l'enrubanneuse McHale 991BE, entièrement électronique, déjà largement éprouvée et testée depuis 15 ans, dans plus de 40 pays. La réputation de la McHale 991BE est indéniable et l'on sait qu'elle est capable d'enrubanner environ 60 balles par heure. À gauche, la McHale 991BE enrubannant 3 balles de film de plastique noir. À droite, la nouvelle McHale 991 High Speed enrubannant 3 balles de film de plastique blanc. Afin d'assurer la précision des résultats et donc de prouver la véritable performance de chaque machine, les deux modèles sont tous les deux paramétrés afin d'appliquer 4 couches de film et nous avons également harmonisé le nombre de rotations de la table ainsi que le débit hydraulique provenant du tracteur pour chaque enrubanneuse. L'enrubanneuse McHale 991 High Speed est dotée de deux extenseurs de film de 750 mm, positionnés de telle sorte à obtenir un chevauchement lors de l'application des deux films sur la balle. Toujours plus inventive, l'enrubanneuse McHale 991 High Speed est également dotée de capteurs de déchirure de film plastique, dont le rôle est de surveiller l'application du film durant l'enrubannage de la balle. En cas de rupture ou du manque de film plastique sur un extenseur, l'enrubanneuse McHale 991 High Speed le détecte et se reparamètre automatiquement pour travailler avec un seul extenseur. Ce test s'avère concluant puisqu'il montre que l'enrubanneuse McHale 991 High Speed est capable d'appliquer 4 couches de film sur 3 balles en 88 secondes, d'où une moyenne de moins de 30 secondes par balle enrubannée. Lorsque l'enrubanneuse McHale 991 High Speed enrubanne 3 balles, dans le même temps, la McHale 991BE n'en enrubanne que 2. On peut donc en conclure une hausse de rendement de 50% par rapport à la McHale 991BE, toutes deux exploitées dans les conditions de travail similaires. L'enrubanneuse McHale 991 High Speed a été développée avec l'aide des utilisateurs. Elle combine solidité et fiabilité avec des caractéristiques pratiques telles que le patin anti-cabrage, le système d'attache et coupe-film, ainsi que le chargement du film, simple et pratique pour l'opérateur. Il est clair que cette enrubanneuse s'impose comme le meilleur choix pour réaliser l'enrubannage des balles rondes.